Bonsoir, chers parents, amis, étudiants, personnels, professeurs, anciens apparteurs, etc. Et bienvenue à la première édition en ligne de la soirée Point d'or. C'est un événement qui vient clore nos deux belles années de la cour 2018-2020 du programme En lettres communication. Je m'appelle Valérie, j'anime en compagnie d'Elisabeth et nous sommes deux étudiantes du profil Lettres et théâtre. Bien sûr, la pandémie a fait en sorte que nous devions terminer nos cours en ligne, mais cela ne nous a pas arrêté de vous préparer une soirée qui saurait vous plaire. Et donc, avant de vous installer confortablement, prenez un verre de vin, un sandwich pot de croûte et faisons comme si nous étions au bistrot. Vous assisterez maintenant à la projection de quelques productions artistiques réalisées dans le cadre des différents cours du programme. Vous y verrez entre autres des projets de production visuelle en cinéma, en publicité, en jeu animation, en post-production et bien plus encore. Chaque bloc sera présenté à l'aide de courts textes les précédents et donnant une bonne idée des projets à réaliser. En Arletcom, du talent, il y en a beaucoup. Ce soir, vous aurez la chance de visionner une variété de projets de qualité qui ont été faits avec passion. Nous espérons que vous allez apprécier le tout. Bonne soirée et place aux projections! Depuis plus de 20 ans, une OK, on recommence. Attends, yo, mon truc est pas droit, là. Salut, ça va? J'ai vu que tu regardais l'arbre à mon grand-père. Tu l'aimes? Moi, je l'adore. C'est un arbre que mon grand-père a planté avec son père. C'est rendu un bisou de famille parce qu'on a tous grandi avec. Tant de bons souvenirs. En tout cas, passez une bonne journée, là. Au lieu de... Non, tu dois recommencer. Être. Dans le studio, c'est... Oh, fuck. Je m'excuse. Par exemple, la conjugaison... Fuck. Wait. OK. Bonjour. Aujourd'hui, on va apprendre à propos de l'auxiliaire être au présent. Je suis, par exemple, triste. Tu es malheureux. Il est mort. Mon hamster, il est mort. Pour faire semblant. OK, c'est bon. Ben yo, je vais reprendre. Je reprends. Je vais être un écrivain toujours en manque d'inspiration. Je vais être un philosophe pour inventer des phrases bidons. Un rappeur qui finit par être dealer. Un artiste qu'on accuse d'être raciste. Un menteur, un flemmard, un fumeur, un clochard. Pourquoi? Pour changer de perspective. Ou peut-être... d'être avec vous. Non, j'ai raté. Je vais essayer de rentrer en contact avec un être paranormal. Oh, je sens une présence. C'est un être venu directement de l'enfer. Pour ne pas être a été écrit par Shakespeare qui a... Non, attends, je vais recommencer. Fumeur, un clochard, un... Tabarnak. Être image, image et son. Être voix, pourrir et faire semblant d'être une bouche. Pour disparaître et apparaître. En être sûr ou n'être pas avec vous. Ou peut-être dormir, rêver. C'est l'obstacle. Comment est-ce qu'on peut être à la recherche de notre être quand les... La fuck. À votre première cours de l'école. Fuck, man! Bonjour, chers téléspectateurs! Vous posez-vous des questions telles que pourquoi la vie, pourquoi la mort, ou encore pourquoi ai-je passé la dernière heure à penser à un sujet aussi niais que l'être? Eh bien, joignez-vous au club des jeunes philosophes où nous avons peut-être la réponse à vos questions. Achetez-en un maintenant et recevez-en un. Oh, fuck. Voyons. J'ai tellement retardé. On recommence. Par Shakespeare pour Hamlet. Non, attends, excuse-moi, je dois recommencer. Bienvenue à votre première journée de... Fuck, j'ai déjà oublié. Bonjour à tous, bienvenue à votre cours de philo. Vous allez pouvoir vous questionner sur votre identité, mais... Dépêchez-vous à trouver qui vous êtes parce que...
Bonjour tout le monde, donc on se rejoint aujourd'hui pour un petit workout matinal. Tu peux pas vivre comme ça toute ta vie. L'Association canadienne pour la santé mentale est là pour t'aider. Sophie. Oui, t'as un peu bu, mais t'es totalement capable de conduire, là. Rien de mal va se passer. Allez, là, tu vas être correct. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victime.
pas dans... J'en ai assez de la quarantaine. Je suis à bout. Je suis plus capable. Il faut que je parle à quelqu'un. Je contacte Eugène. Et toi? Tu me promets que tu vas le faire? L'isolement, c'est dur. Appelle maintenant. Parle-nous. Ouais, non. Moi aussi, le poste de police m'a appelé. Fait que justement, je vais là-bas pour faire une interrogation dans genre 20 minutes ou quelque chose. Mais on sait que Clara, je sais même pas en quoi passer de cette histoire-là. Genre, j'étais même pas avec Flavie hier. Non? Non, vraiment pas. Moi, je suis en haut en train de parler avec mes amis, puis elle est en bas en train de genre gueuler à son chum. Non. Non, je le sais que c'est chicané avec William hier, mais c'est juste genre... Je connais Flavie depuis tellement longtemps, et c'est pas son genre de juste fuguer après un party comme ça. Juste quelque chose dans les soirs juste tombe pas rond. Peut-être qu'il suce moi, ado. Je sais pas trop. Ouais. Désolée. Ouais, puis aussi, j'ai vu comme une auto passer 15 fois autour de la maison. Alors, j'ai pris le code d'immatriculation et puis je vais le montrer à la police ou quelque chose. Juste, je sais pas quoi prendre plus. Alors, juste moi qui entends des choses, t'as raison. En plus, c'est impossible que quelqu'un soit chez moi. Tu me connais, je vérifie tout le temps les portes. C'est même pas normal. Hey, tais-toi, hein! Oh, non, là, Alexa, je suis certaine, là. Il y a quelque chose ici, il y a quelqu'un, là, ça n'a pas de sens. Oh mon Dieu! Alexa! Mon Dieu! Alex, j'avais raison, il y a un rat dans ma maison! Mais qu'est-ce que je fais? J'appelle la police! Non mais... Je fais quoi d'abord? Ok. Ok, c'est bon. Merci. Oh, un rat, c'est dégoûtant! Ok. Un, deux...
J'ai plus de madeleine. Such a shame. C'est beau ta barbe. Merci. T'as rejoint le club des Bears? Non. C'est la chaise que je vais te montrer. La chaise dont je te parlais. Ah ouais. As-tu vu Nico dernièrement? Oui. Je l'ai vu dans un bar. Vous avez pris un verre ensemble? Non. Non, je prenais un verre. Il est entré avec des amis. Je lui dis allô, c'est tout. Il s'en va en Asie, hein? Ah oui? 8 mois. C'est long. Est-ce que tu l'as vu? Non. Vous êtes-tu bien installé? Passe-toi au milieu, s'il te plaît. Ok. Ah, mets-le la perche. Ah, excuse. T'as-tu fait en tête? Ok, c'est bon. Je m'appelle Shirley Beausoleil, j'ai 18 ans, je suis Gémeaux et j'ai fondé Les Chialeurs il y a un an. C'est correct. Et en quoi ça consiste exactement, Les Chialeurs? Ok, ben Les Chialeurs, c'est moi puis mes deux amis, puis on s'est dit, on va manifester le plus souvent possible pour le plus de causes possible. Puis on voulait vraiment faire une différence dans le monde, on voulait se faire entendre. Ah, puis on a une page Instagram, Les Chialeurs, où on partage nos manifestations avec nos abonnés. Qu'est-ce qui t'a poussé à fonder Les Chialeurs? Je voulais passer un message aux vieux pour leur montrer que notre génération, on a de l'ambition, puis qu'on n'est pas des paresseux. Puis là, je me suis demandé, Shirley, c'est quoi la façon la plus pertinente pour passer un message? Ben la façon la plus simple, c'était de chialer. Depuis le début des chialeurs, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Ben ce qui me rendrait le plus fier, là, c'est qu'on est vraiment unis. On est comme une famille, puis quand il y a quelque chose qui nous dérange, on le dit tout de suite. Ouais, c'est ça ma plus grande fierté. Ah mon Dieu! Ok, c'est parce qu'il y a un cégep à proximité qui ont monté le prix des biscuits de 3 sous. Fait qu'il faut faire quelque chose. Fait que là, Shirley, ça va super bien à date, tu réponds vraiment bien à nos questions. Merci. Donc, ce qu'on va faire, on va faire une petite scène dans laquelle tu vas répondre à nos questions pendant que tu te diriges vers le cégep. Ça te va? Oui. Parfait. Oui, c'est génial. Bon. Ben là, la pêche. Excuse-moi. Pourquoi tu filmes? C'est quoi le genre de manifestation auquel vous avez participé? Ok, bon, on a manifesté sur plusieurs sujets. On a manifesté quand Snapchat a changé son logo, quand Dragos a été éliminé d'Occupation Double, avec les bouteilles en plastique qu'il y a, les bouteilles en plastique. Sérieux, tu veux avoir l'air d'un cave à se promener avec une bouteille réutilisable? Oh non, mais! Donc là, on s'en va rejoindre mes amis. Donc voici mes amis, les partenaires chialeurs. Comment vous vous sentez face à cette situation? Ben pour vrai, je trouve ça juste pas d'allure. L'argent, il pousse pas dans les arbres, je suis assez tanné. Ouais, c'est vraiment de la merde. Non, mais c'est parce que là, on veut s'exprimer haut et fort, là. On est vraiment écœurés, OK? Go, les chialeurs! Rendez-nous! Rendez-nous!
biscuits! Rendez-nous nos biscuits! Si bon. Hey là, je commence vraiment à être tannée. Ouais, je t'aboute, j'ai tellement faim. Non, mais la gang, je comprends là, mais on a vraiment fait le mieux que je pouvais. Je pense qu'on a vraiment fait une différence. Ouais, on se mériterait un biscuit de la café. Ouais, je suis full down. Ouais, moi avec. Bon, ben, bye là! Hey, suivez-nous sur Instagram! À Montréal, pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, les deux pieds sur l'asphalte, l'asphalte. Le monde est plate, viens t'en dégage. J'ai envie de faire du pouce de Québec à Montréal. Pour ceux qui prennent la route seul avec un backpack, la tête dans les étoiles, je suis un enfant de understand. I don't hate her. I hate what she's become. I hate the illness. Wouldn't it be better if you put her someplace? You mean an institution? A madhouse? Hurting you.
I wrote 90 pages over 72 hours, pulling not one but two all-nighters. Humans are not supposed to pull two all-nighters. Sprinted across campus, dove in slow motion, and got it in just at the deadline. I thought that was the end of everything. But a week later, I get a call. And it's the school. And they say, is this Tim Urban? And I say, yeah. And they say, we need to talk about your thesis. And I say, okay. And they say, it's the best one we've ever seen. That did not happen. It was a very, very bad thesis. I just wanted to enjoy that one moment when all of you thought, this guy is amazing. No, it was very, very bad. I could offer a million answers, all false. The truth is that I'm a bad person, but that's going to change. I'm going to change. This is the last of that sort of thing. And I'm cleaning up and I'm moving on, going straight and choosing life. I'm looking forward to it already. I'm going to be just like you. The job, the family, the fucking big television, the washing machine, the car, the compact disc and electrical tin opener, good health, low cholesterol, dental insurance, mortgage, starter home, leisure wear, luggage, three-piece suite, DIY, game shorts, junk food, children, walks in the park, 9 to 5, good at golf, washing the car, choice of sweaters, family Christmas, index pension, tax exemption, clearing the gutters, getting by, looking ahead, the day you die. Vaisha était née avec un œil gauche qui ne voyait que dans le passé et un œil droit qui ne voyait que l'avenir. Quand la petite Vaisha grandit et put parler, elle expliqua qu'elle voyait le ciel ainsi. Et même si ses yeux étaient ouverts, tels ceux de tous les voyants, c'était comme si Vaisha était aveugle. Vaisha l'aveugle, c'était ainsi que tout le monde l'appelait. T'entends? Alors, on fait quoi? Bon, on l'emmène, fiston! Quoi? Non mais, pense-y! Pourquoi gaspiller ton pognon chez le boucher alors que y a de la bouffe juste là? Allez, en même temps, on va le mettre dans le char.
Allô, guys! Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un beau maquillage pour être... Bye tout le monde! À la prochaine! Bonjour, oui, bon, allô, vous me regardez, allô! C'est qui la plus belle? S'il vous plaît, je veux que ça soit moi pour une fois. Je suis belle et confiante. J'ai la tête haute à chacun de mes pas. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Voici la femme parfaite. Regardez-la bien. Elle sourit. Elle a la peau lisse. There bar, and she's walking through it. Inez, to be taken seriously, you can't wear skin tight jeans. Right, and she's a slut. I don't think anybody would be standing with Wendy in Texas if she. Fallait pas qu'une folle comme Lady Macbeth parte le bar. Regardons les rendus là, dans la chambre, le feu dans les veines, alimenté par un personnage de 1606. Qu'est-ce que vous voulez? Mes lèvres? Mes dents? Ma langue? Des mots? Un cri? Quel sort de cri? Au snooker, il y a 3 mois, de ma place préférée au bout du bar, je l'observais. Il jouait au billard. Ses mains posées sur le tapis vert, souples, précises, parfaitement proportionnées. Des hommes sont montés, mais je les ai chassés. Puis, vous êtes venu. Vous dites que vous avez réussi, pourtant, je pense encore aux choses qui font mal. Vous voulez votre récompense? Tout ce que j'ai est ici, regardez. Vous me faites venir ici, jusqu'au 33e étage, sans ascenseur. Je demande combien. Vous me parlez de votre père qui t'a laissé toute la rue en bas, entre le vendeur de souvlaki au coin et le bar gay. Vous me parlez de 3 épreuves, de règlement. J'ai perçu! Quand vient le temps de me payer, vous me dites que tout ce que vous savez que c'est faux. Je vais sortir marcher dans la rue. Et puis, je vais revenir. Je vais ouvrir la porte et je vais t'appeler. Je vais crier. Grâce! Je suis là. Et tu ne parles plus jamais de la petite pièce, de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas à l'intérieur. Je glisse ma main à l'intérieur. Une tête, un duvet poisseux, humide. J'entends mon nom. Qui parle? Loin, de très loin, quelqu'un m'appelle. Qui m'appelle? La tête bouge, se colle à ma main, comme pour dire encore, touche-moi encore. J'explorais, c'est normal, tout est encore nouveau pour toi ici. Si tu lui expliques bien, il va comprendre. La maison est tellement grande. Il est furieux, c'est sûr. Il se sent trahi. Mais il est fou de toi, Grâce. Je le sais, tu le sais. T'en trouveras pas un autre comme lui. Quand vous retournerez dans votre pays, sur le petit corps qui vous appartient, dites-le de temps en temps. On ne peut plus vivre comme ça.
dans les soirées avec vos amis, en regardant par la fenêtre la ville toute blanche, si paisible. Dites-le, même si personne ne comprend. Mon fils! Un sourire qui vous fait chavirer. Et une petite cicatrice sur la joue droite à cause d'une chute qu'il a faite à 3 ans et demi. Mon fils était avec son ami Walid. Mon fils avait une petite balle rouge dans la main. Où est-elle, la petite balle rouge? Il pensait à une seule chose. Le grand trou noir au bout de l'océan. Il devait se dire. Et si c'était vrai qu'elle est plate comme une assiette? Maman! J'ai trouvé ce que je veux faire plus tard. Je veux dire, mais ce que je veux faire en premier, maman. À un moment donné, il m'a pris la main. Il m'a entraîné. On est sorti. On a pris un chemin de montagne. On a marché toute la nuit. De temps en temps, je m'arrêtais. Je disais, non, mais où est-ce que tu vas? Où? Where? Who? Dundee? Puis finalement, il a pris ma tête à deux mains. Il a collé mon œil sur sa bouche noire. Look deep, very deep. What do you see? Nothing, nothing. Vous verrez maintenant la lecture de textes se trouvant dans le recueil Jardin d'hiver, œuvre réalisée par les finissantes du profil Lettres et Théâtre, dont font partie vos animatrices de la soirée. Vous entendrez 5 de nos créations, dont certaines confessions faites à la manière de Simon Rousseau dans son œuvre. Vous découvrirez aussi d'autres textes inspirés ceux-là de la poésie de Jean-Christophe Réel. Ça passe trop vite le temps. Il va trop vite. J'ai pas le temps de le prendre dans mes mains et lui dire « reste ». Je fais rien, je perds mon temps. J'en fais trop, je perds du temps. Le temps, c'est de l'argent. J'ai pas d'argent. Tout mon temps consacré à l'argent. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai trop de temps, j'ai toute une vie. Mais passe trop vite. Prends ton temps, applique-toi. T'as pas le temps, dépêche. Respire, oui, respire. Allez, go, allez. 24 heures, c'est pas assez. Donne-moi du temps, donne-moi de l'argent, donne-moi du répit. Pas le temps pour le répit. Vas-y, c'est le temps. Je suis allongée. Je dors pas vraiment. Par effraction, l'insomnie est arrivée. Toute douce me surveillant, moi je suis pas capable. Invisible, je la vois pas. Elle est plus forte que moi. Pas seulement cette fois, mais bien pour la millième fois. J'essaie de la vaincre. Je pense à faire toutes les positions. Celles que j'ai vues à la télévision. Gendarme, étoile de mer, rondin, fétal. Il y en a trop. Je suis trop paresseux. J'en essaie seulement deux. Deux dont je connais pas le nom. De une sur le ventre. Fuck, j'ai trop mangé. De deux sur le dos. Fuck, faut que j'aille voir un ostéo. Je fais pas de sport. Je vais jamais dehors. Dehors, il fait sombre. Aucune ombre. J'aime pas la clarté. Peut-être bien que je suis un vampire. Mais je bois pas de sang. J'aime pas le sang. Je mangerais plutôt des donuts pour survivre. J'aime les donuts. Bon, là j'ai faim. Allez, ne pense à rien. Fuck, elle est toujours là. Fuck, elle est tout le temps là. Faudrait que je pense à grand-maman. Grand-maman parlant de politique. On s'en collise la politique. De toute façon, on va tous crever bientôt. Bon, là je m'énerve trop. Inspiration, expiration, expiration, inspiration. Je compte les moutons. 1, ça fait rien. 23, le noir est roi. 50, j'ai là une insomnie fuyante. 61, je m'éteins. 80, fuck, elle sera sûrement là demain. Je dors. Je dors souvent. Dans ma chambre, sur mon lit, toute seule, je dors. Ce matin, j'ai vu une araignée sur ma fenêtre. Elle m'a dit qu'elle jouait à la statue, alors j'ai décidé de jouer avec elle. Je me suis dit que si je m'endors, je vais gagner. 2 heures plus tard, je me suis réveillée. J'ai perdu. Elle est sur la fenêtre, au même endroit, elle a gagné. Ma fenêtre est étroite. Elle n'est pas très transparente. Elle est sale. Je suis sale. Je crois que je suis moins transparente qu'elle. Pourquoi? Parce que je mens. Je mens souvent. Le mensonge s'est glissé sur le bout de ma langue.
dans mes poumons, dans mon côlon, mais n'a pas dépassé mon rectum. L'araignée m'a dit que la vérité se trouve à l'extérieur de la fenêtre. À l'extérieur. La fenêtre. Elle est là. Je n'ai qu'à l'ouvrir. Elle est à ma portée, mais il y a une araignée dessus. En fait, l'araignée, elle est ma peur. J'ai peur de dire la vérité. J'ai peur de découvrir la vérité derrière l'araignée. Je la regarde. Je sais qu'elle est là. Je n'ai même pas vérifié pour voir si elle est morte, si elle est à l'intérieur ou à l'extérieur. Je n'ai qu'à l'envie, mais j'ai peur. Alors, je décide de jouer à la statue. J'espère que cette fois, je vais gagner. Je suis un avion en pilote automatique. En effet, j'ai lâché prise, mes amis. Je m'en tape royalement de ce que le capitaine voudra me crier par la tête à présent. Oui, je sais, les cigares sont interdits à bord. Et c'est exactement pourquoi les sucs de mon cylindre terreux sont particulièrement délectables en cet après-midi maussade. Je suis installée sur le banc dont l'accès est tout aussi interdit que l'est la possession de mon cigare. Et si je m'étire le cou, je pourrais apercevoir l'océan dans toute son étendue abrutissante. Mais je me tape de l'océan, l'océan se tape de moi, et aujourd'hui, je vais me contenter de fumer mon cigare bien tranquillement, tout en boudant les soubresauts nauséabonds du bateau contre le clapotis infernal des vagues. Je m'en tape de l'océan, mais surtout de mes camarades, nom d'un chien. À vrai dire, ils ne sont même pas mes camarades. Je les méprise juste à aller voir dodeliner leurs têtes et vautrer leurs épaules en signe de soumission aux aboiements du capitaine. Quel langage corporel déréglé. Aussi déréglé que l'est la distribution du pouvoir, ma foi. Moi, j'aime le pouvoir. J'aime son goût sur ma langue. D'ailleurs, le cigare m'en est un rappel. Et sur cette coquille de noix, en guise de bateau, on nous force à se ronger les callosités jusqu'au sang plutôt que d'avoir un infime milligramme de dignité. La dignité, vous voyez, c'est ma nicotine. Et la chose qu'il faut établir, c'est que je m'en tape à présent. Je me tape du capitaine avec son menton relevé à 45 degrés, liséré d'une lame de barbe noire qui tranche toute ombre de fermeté d'esprit. Je me tape de mes camarades aux toupettes gras qui plaquent leur regard hébété sur le lichen entre les planches moisies du pont. Et par-dessus tout, je condamne les biscuits aux gruaux cotonneux qui empestent la corde humide. Ah, tiens, un avion croise le ciel. Oiseau civilisé, je suis cet avion à présent. Oui, je préfère régresser au stade d'un poulet mécanique plutôt que d'être humilié une seconde de plus, acculé dans la vermine par la mâchoire couteau du capitaine tel un fromage ranci qu'on écrase sur un crouton. Je suis devenu cet avion en pilote automatique. La princesse et les petits poissons. Cher journal, je fais semblant de rien pour ne pas que mes amis du service de garde se moquent de moi, mais je suis complètement amoureux d'Anaïs. Je répète toujours que les filles, c'est dégoûtant, pour ne pas attirer leurs doutes à mon égard, mais je trouve qu'Anaïs ressemble à une belle princesse et mes joues deviennent toutes rouges lorsque je la croise. Tout a commencé lors d'un matin du mois de novembre, ou c'était peut-être en octobre, je ne sais pas quel mois vient en premier. J'ai dessiné des dinosaures dans mon cahier de mathématiques alors que Mme Julie nous montrait à faire des additions au tableau. Puis, à l'heure de la collation, j'ai fouillé dans ma boîte à lunch Spider-Man. J'ai bien vite réalisé que maman avait oublié d'y mettre mon sac de petits poissons. En colère, j'ai senti les larmes piquer mes yeux. Je ne voulais pas avoir l'air d'un bébé Lala, donc j'ai serré les poings très fort pour ne pas pleurer. Puis, j'ai vu que la fée assise devant moi avec de jolies tresses blondes semblait déguster un rouleau aux fruits. J'étais affamée, alors j'ai rassemblé tout mon courage et j'ai doucement tapoté sur son épaule. Quand elle s'est retournée, j'ai senti que mon cœur commençait à battre plus vite. J'ai même eu peur qu'elle l'entende. Je lui ai demandé en bégayant si je pouvais avoir une bouchée de sa collation, puis elle m'a tendu un petit morceau en me faisant un grand sourire. Il lui manquait les deux dents du haut, ce qui m'a rendu un peu jaloux puisque j'attendais encore que la fée des dents vienne me visiter. Depuis ce jour, je n'ai plus parlé à Anaïs. Mes amis m'empêcheraient de jouer avec eux au ballon chasseur s'ils découvraient mon secret, alors j'observe discrètement Anaïs dans la cour de récréation lorsqu'elle joue à la corde à sauter avec Eva et Sandrine. Elle peut se rendre jusqu'à la lettre T lorsqu'elle saute au rythme de la chanson de l'alphabet. J'espère que la maman d'Anaïs oubliera bientôt de mettre un rouleau aux fruits dans sa boîte à lunch de Cendrillon, car depuis ce jour de novembre ou d'octobre, j'apporte toujours un sac de petits poissons de plus. Rassurez-vous, nous n'en sommes pas à la fin de ce que nous souhaitons vous montrer, mais maintenant nous allons prendre le temps de faire les remerciements qui s'imposent. Merci au Collège Jean Brébeuf et à tous ceux et celles qui permettent aux étudiants du programme Henri de communication de réaliser des travaux d'exception.
Merci donc à la direction d'encourager le programme et tous ses profils. Merci aussi aux services de la vie étudiante et communautaire, aux agents de sécurité et à ceux qui œuvrent à l'aide pédagogique et à l'orientation scolaire. De plus, pour leur support et leur soutien financier, merci à la GEB et à l'Association des parents. Et pour leur travail de qualité, fait avec patience et dévouement, merci à nos régisseurs et assistants en théâtre, M. Vincent Lavigne et tous les techniciens de la salle Jacques Maurice, en cinéma, communication et médias numériques, M. André Gauthier. Une mention spéciale à André d'ailleurs, technicien que même si on oublie de faire CTRL-S et qu'on perd notre projet, il est toujours de bonne humeur et réussit toujours à régler nos problèmes. En art visuel, M. Jean Poirier. Merci aux appariteurs et aux services de l'audiovisuel. Merci à la bibliothèque du collégial. Merci à l'imprimerie et à son technicien, M. Arnaud Poussé. Merci aux apparitrices et aux appariteurs. Et bien sûr, merci à tous nos professeurs. Nous avons eu des enseignants exceptionnels qui ont permis aux élèves de s'épanouir. Je tiens vraiment à dire qu'à Brébeuf, outre le fait évident qu'on a des lieux grandioses avec le superbe tableau du D348 qui a vécu bien des choses, on a surtout des professeurs hors pair qui nous accompagnent jusqu'à nos admissions. Des profs qui se donnent autant que nous pour notre succès. Merci entre autres à Catherine qui répondait à nos 10 millions de Mio pendant nos premiers tournages parce qu'il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas. À Marie-Steph pour savoir qu'il va nous répéter sans cesse, il ne faut pas que ça shake. Puis une chose qui est sûre, sans oublier la moitié des trucs qu'on a appris dans nos cours, on va toujours se rappeler de l'origine du monde de Courbet. Et un merci tout particulier à Marie-André Michaud qui reviendra en force dès que la santé lui permettra. On lui envoie toutes nos pensées les plus positives. À tous donc, un immense merci pour votre soutien. Et nous en sommes déjà au moment tant attendu du dévoilement de l'affiche. Place au montage qui vous plaira sans aucun doute. Bonsoir, chers étudiants. On espère que vous passez une agréable soirée. On veut prendre un moment, tous les professeurs du programme, pour vous dire à quel point on est fiers de vous. Fiers de votre capacité à vous adapter. On est fiers de toute la créativité dont vous faites preuve. On est fiers de votre engagement, fiers de qui vous êtes, fiers de votre authenticité. Pour toutes ces raisons, on aimerait vous dire bravo et merci. Merci! 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 Merci. Bravo! Mais avant de se quitter, on a une petite surprise pour vous. Vous le savez, une promesse, c'est une promesse. Et on s'est assuré que Nicolas puisse la respecter. Alors, à la demande générale, Nicolas Mavrikakis, accompagné du cœur des professeurs d'ALC, vous interprétant « Bye bye » de Dalida. Bye bye, ce n'est pas un adieu. Bye bye, c'est un mot merveilleux. Quand on se quitte en chantant, qu'on se reverra dans pas longtemps. Ciao ciao, ce n'est pas un adieu. Ciao ciao, c'est un mot merveilleux qui rend moins triste tous les départs. Enfin, c'est un au revoir. After everything you've gone through, you know, you deserve that moment. And I'm going to remember this audition for a long, long time. I can't imagine how difficult that's been for you, though. But you've turned it into something incredibly special here today. Congratulations. You did it. Thank you.
You gotta know, I'm feeling love, made of gold. I never loved another one, another you. It's gotta be love, I said it. You gotta know, I'm feeling love. You gotta know. I said, I smell in the air is a dripping rose. You can be the one for me. Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Well, before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Il est maintenant temps de présenter les courts-métrages réalisés dans le cadre du cours Cinéma et médias, l'activité d'intégration du programme en lettres communication au collège. Bien sûr, avec la pandémie actuelle, notre cours d'intégration a dû être modifié. Comme vous deviez le savoir, nous étions très proches des journées de tournage quand le confinement a été annoncé. Nous avons donc dû faire un deuil de tout ce que nous avons préparé pour refaire un film chez nous. Et donc, les équipes de 10 personnes ont été reformées par des équipes de 4 ou 5 personnes pour créer un tout nouveau film. Malgré ces circonstances exceptionnelles et les restrictions qui se sont imposées d'elles-mêmes, nous avons réussi à faire de magnifiques films dignes de notre talent et de notre créativité. Après toutes ces péripéties, voici les fameux films d'intégration.
citoyens et citoyennes québécois. Je suis fier de vous annoncer que nos efforts et nos sacrifices communautaires ont porté fruit. Ça n'a pas toujours été facile, mais notre esprit d'équipe a rendu cette pandémie du moins soutenable. Je vous annonce que vous pouvez enfin sortir de chez vous, voir vos amis, visiter vos grands-parents, aller au restaurant ou aller magasiner dans vos boutiques locales favorites. Le confinement obligatoire mis en place après l'annoncement de l'état d'urgence de notre pays touché par la COVID-19 est finalement l'histoire du passé. Chers Québécois et Québécoises, je vous remercie de votre patience et de votre collaboration. Bonne journée, au revoir. Thinking was for the gloopy ones, and that the omni ones use like inspiration and what bog sends. For now it was lovely music that came to my aid. There was a window open with a stereo on, and I vidded right at once what to do. Mon bébé! Ça fait juste une semaine que je suis partie, mais je meurs d'envie d'embrasser ta petite face toute cute! Allô, mon amour!
Oh, Paris, Tristan, c'est exquis. Exquis comme endroit. Bon, les rues, c'est des poubelles à ciel ouvert, mais les gens, Tristan, ils savent comment s'habiller. Ah ben, tant mieux, ça a l'air super. Ah, je te le dis, là, ma compagnie ferait fureur ici. Les femmes vivent pour la mode. Allô, allô, allô! Oh, si c'est pas mes deux tourtereaux préférés. Salut, Joël. Bonjour, frère. Je vous dérange dans un petit moment d'intimité, là. Vous auriez pu me le dire, c'était un sex call, je vous aurais laissé tranquille. Oh, franchement, Joël, je t'ai déjà dit que j'ai invité toute ta famille. Oh, excusez. Ma famille? Non, j'oublie, c'est parce que ça fait juste un an que moi et Triste Toutou, on est officiellement mariés. Mais je suis folle, c'est Pâques. Votre famille, c'est ma famille. Il manque qui, donc? Ma Elisa. Mère de son mère avoir des problèmes avec son téléphone, là. Je l'ai texté. Alors, Barbara, Paris, hein? Partie loin, ma petite vlimeuse? Pas trop en manque d'action? Non, non. Bonjour, Solange! Bonjour, Pâques, maman! Oh, si c'est pas la plus belle maman du monde! Bonjour, bonjour! Ah, vous savez, Solange, je trouvais ça vraiment important qu'on se retrouve tous en famille pour Pâques, même si ça allait impliquer nos ordinateurs. C'est important de se montrer qu'on est disponible les uns pour les autres, hein? Par exemple, bon, moi, je suis partie à Paris pour découvrir justement votre ville natale, pour me connecter avec vos origines, parce que maintenant, ben, c'est mes origines à moi aussi. Ah, en tout cas, je vous aime. On s'aime, puis ensemble, on est plus qu'une famille. On est une équipe! Bon, bon, bon. Arrête Steve Jobs, tu vas me faire broyer. Oh, ma belle-fille! Allô, la gang! Salut, Barb! Hey. Salut, Louise! Pile en retard! Tu t'améliores, ma petite limace? Tu t'es même pas pointée à mon party d'Halloween. J'ai comme l'impression que tes lunettes soleil font trop designer. Wow! Lisa! T'as vraiment l'œil, hein? Tu sais que c'est pas donné à tout le monde de reconnaître du vrai design raffiné, hein? Tu sais, tu pourrais travailler pour moi un jour, hein? T'aurais des deals sur tous mes produits. Joël a pas mal l'air d'en profiter de tes deals. Je voudrais pas abuser. T'es une bonne fille généreuse, Barbara. Oh, vous savez, Solange, j'ai vraiment une âme généreuse, vous allez voir. Ta blouse! Tu portes la blouse que tu cherchais avant de partir pour Paris? Non, 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 c'est la chercher comme une folle, te virer la maison à l'envers, tu te souviens? De quoi tu parles? Non, mais oui, les étagères chavirées, le divan saccagé, les menaces. Mais Seigneur, ça doit être un mauvais tour du diable incarné. Non! Non! J'en ai aucun souvenir. Ça doit faire une éternité de ça. C'était la semaine dernière. Non, je l'ai aidé à chercher ta blouse, là. On est devenu fou. On a fouillé dans les armoires, sous le tapis, dans le lit. Es-tu sûr que c'était le bon lit, frérot? Écoute, Tristan, mon amour, écoute, je suis vraiment désolée si je t'ai traumatisée par cet épisode soudain. Ouais, mais comment tu l'as trouvé, ta Christine blouse? C'est bizarre, on dirait qu'elle a une deuxième garde-robe. Mais où est-ce qu'elle pourrait bien être? Hey, toi, le FBI, là, tu commences à me tomber ses nerfs. Puis toi, le mathématicien, là, on va faire un petit problème de logique ensemble. Ta femme, elle part 2 jours à Paris pour acheter l'entièreté des blouses de toute la ville. C'est vraiment la peine de capoter si on en porte juste une en particulier? Fait que là, tu devrais recalculer ta courbe d'anxiété, mon homme. Écoute, chérie, j'ai racheté la même blouse. C'est tout! Rachète donc sa confiance pendant qu'il y est. Mais attends, là, tu restes à Paris pendant combien de temps? Quoi? Ben, Joël vient de dire que t'es à Paris pendant 2 jours. Minou, minou, minou. Une semaine, voyons! Pas 2 jours! Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il vient de dire 2 jours d'abord? Mais Joël dit n'importe quoi! Tu le sais? C'est un comédien, faut pas le prendre au sérieux! Puis, de toute façon, il est lendemain de veille, ça fait que je pense pas qu'il sait trop de quoi il parle. Pas vrai, Joël? Ah oh ben, toi, tu savais qu'il a bu hier soir. Non! Non! Mais il est tout le temps sous, hein? Lui, n'importe quel soir de la semaine, il s'ouvre une bouteille de gin. Hey, la Barbie! Là, je commence à la trouver moins drôle. Sur une échelle de 1 à 10, là, je suis comme à 12 de devoir faire le colon pour que toutes tes histoires se tiennent debout. Calme-toi, Joël! Je t'ai jamais demandé de faire le colon, OK? C'est toi qui dis n'importe quoi. T'es pas capable de dire 2 choses qui tiennent debout ensemble. Oh, hey, excusez. Pardon de pas être capable d'inventer des grands discours de PDG à l'improviste comme Madame la patronne ici.
dit, c'est quoi tu veux de moi, là? Que je te donne raison? Tu veux que je te mette sur un piédestal? Ah, j'ai compris! C'est toi, Jésus-Christ! Hey! Joyeuse Pâques, t'es notre sauveuse! Quoi, là, t'es au-dessus de tout le monde? Hein? Viens nous sauver, nous autres, on est juste une pauvre famille d'imbéciles. Viens nous fourrer dans le cul avec tes talons hauts. Hey, Joël, calme-toi. Qu'est-ce que t'as dit, Joël? C'est ça, fais semblant de rien comprendre. Chris, c'est toi qui as laissé traîner toutes tes affaires chez nous. Mais voyons. Tristan, mon amour. J'aurais jamais... Écoute, parce qu'il dit n'importe quoi. J'ai pogné un bon deal. Ta femme, ouais. C'est un bon deal de merde, ouais. Non. Au travail. Une bourse d'enseignement. Je m'en vais en Iran. Je voulais vous dévoiler la surprise pour Pâques. Hein? Ça ferait plaisir à tout le monde. J'aurais pu m'échapper avec Barbara. Oh, mon amour, je suis tellement fière de toi. Oh non, toi, tu viens pas avec moi. Et tout à toi, Joe. Bon, ben... Ça y a pris 30 ans pour faire son premier bon move. Ouais, ben... Barbie, je suis pas sûr si je suis d'homme de te garder juste pour moi. Fait que bon séjour en France. Ciao, mom! Puis Lisa, fais attention à toi, OK? Bye, tout le monde. Je comprends plus. Faut juste que tu payes sur le bouton en bas, maman. Lisa, est-ce que tu m'entends? Allô? C'est fou comme ils vont vite. Les cas ne font qu'augmenter. Le gouvernement semble ne pas savoir comment gérer tout cela. Pour l'instant, les experts peuvent nous confirmer qu'au moins 70% de la population sera affectée. Tôt ou tard. Putain, mais si on va tous être affectés, je préfère être malade chez moi à Paris. Pourquoi je resterai ici alors que je peux quand même finir mon bac là-bas? De toute façon, c'est des cours en ligne, on s'en tape dans quel pays on est. Bon, allez, je fais ma valise et je me casse. Attention s'il vous plaît, à cause de la situation actuelle, plusieurs vols sont annulés ou retardés. Veuillez vérifier avec votre compagnie aérienne l'état de votre vol. Ah putain, y a pas un seul taxi. Se foutent de ma gueule ou quoi? Bonsoir monsieur. Avant de vous embarquer, j'ai l'obligation de vous poser une question. Ouais, d'accord. Avez-vous des symptômes du virus? Non, pas du tout. Super. Laissez-moi prendre vos valises. Non mais vous vous foutez de moi? Hein, quoi? Sortez, vous êtes malade. Mais non, je me suis juste étouffé. Allez, sortez, allez, dégage! Mais vous êtes pas sérieux quand même?
Il manquait plus que ça, je veux juste être chez moi, confiné chez moi. Purée, j'ai tellement faim. Ce truc-là, il devait être là-dedans depuis des mois. Et merde, y'a plus de papier toilette. Bref, je suis en confinement. Bonjour, je m'appelle Élibert. Oui, bonjour. Bonjour, je m'appelle Élie Bertrand, j'ai 21 ans, puis je suis autiste. On est en confinement à cause du coronavirus. Puis mon école, toutes les écoles et établissements scolaires sont fermés. Bonne journée à tous. Je peux pas dire bonne journée à tous? Si. Tu veux dire quoi? Bonne journée à tous. Nous. Pour donner un break à mes parents? Non. Parce qu'il y a 5 minutes de temps pour me filmer. C'est ça. Ok. Quoi donc? Je sais pas. Parce qu'elle fait un documentaire. Sur la vie de son frère. Mm-hmm. Là, tu te sens comment, lui? Un petit peu inquiet. Ok. Là, ici, tu regardes ça, là. Ce serait quoi présentement ton émotion? C'est quoi ça? Surpris. Non, j'ai besoin d'être rassuré. Donc tu es inquiet? Ouais. Qu'est-ce qui te rend inquiet? Ferme tes yeux puis concentre-toi. Parce que je suis pas habitué à ce qu'elle sorte avec. Mais là, lis-moi l'horaire de la journée. Faire son ménage, dîner, académique, dessert. Aider. Ouais. Que ça, c'est correct? Vas-tu te baigner avec les morses, Maxime, un jour? Non. Pourquoi? Parce que c'est trop froid. Tu fais des blagues. Agace ta soeur. Comment tu te sens, Élie? Comme ça. Pourquoi? Non, comme... Ok, je me sens comme ça. Donc, des fois, on a un horaire. Comme aujourd'hui, on était supposé faire... un petit peu plus d'académique, mais on va juste faire un bricolage, écouter un film. Parce que des fois, selon l'horaire, il y a des imprévus. Parce que on doit y aller aussi selon ses besoins à lui. Des fois, c'est plus difficile, comme aujourd'hui, il s'est levé à 3h du matin. Mais tu sais, n'importe qui se lèverait à 3h serait fatigué. Donc il faut quand même y aller avec leurs besoins, puis pas pousser. Fait que c'est pour ça que des fois, il faut s'adapter selon la nuit qu'il y a eu. Parce que lui, dans le fond, dès qu'il y a un cauchemar, même si c'est à 3h du matin, ben, il se rendort pas. Donc, des fois, c'est beaucoup plus difficile à faire les journées. C'est pour ça qu'il faut changer un petit peu ce qu'on avait prévu. Dernière étape, ça va bien aller. Il a fait 18 minutes à date. Ah, c'est loin. Oh. Il faut que tu regardes ton temps. Quand il est 20, tu vas à l'envers. Comme ça. Oui, comment tu te sens? Je me sens correct. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de l'exercice? C'était quoi? T'as mis.
C'est correct. C'était ouais, bien. C'est correct. Oui, c'est... Ok, c'est bon. Oui. Okay. Bon, ben, bonjour tout. Salut tout. Salut, on a fait la salade. C'est de la salade avec du bacon, fromage, canneberge et pain. Petit crouton en forme de pain. Petit painade en forme de crouton, excuse-moi, je. Je me considère comme Rémi le, dans le film, le rat dans le film Ratatouille qui cuisine au, comme un grand chef cuisinier. Mmh. Puis qu'est-ce qu'on dit, mettons, avant de manger? Bon appétit! Bon. Dans le fond, ce que vous attendez, c'est Edou qui parle avec une intervenante de Saccade sur Skype. D'habitude, nous, depuis octobre 2018, on y va une fois par mois. À Québec, pour le langage, dans le fond, autistique, c'est un langage qu'on appelle conceptuel. Et dans le fond, comme on ne peut pas y aller à cause du confinement, on ne voulait pas trop changer non plus la routine de Ellie. Donc, on a demandé à une intervenante Saccade de nous appeler chaque semaine sur Skype. Ellie a quand même son heure chaque semaine. Donc, ça l'aide quand même vraiment beaucoup. Puis au moins, ça se met quelque chose dans sa routine. Qu'est-ce qui te manque le plus de rester à la maison tout le temps? L'école. Ouais, l'école te manque? Ça m'enrage. Ouais, ça t'enrage, hein? Moi aussi, ça m'enrage un peu, je dois avouer. Mais quand est-ce? Quand ça recommence? Oui. Malheureusement, on le sait pas. Ce qui est plus difficile, peut-être, pour une personne autiste, c'est d'avoir une routine. Hein? C'est important, la routine? Ouais, ça me... j'ai goût de faire ça parce que je suis... T'es anxieux? Ouais. Comme Maxime. Mais comme ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas veiller sur nous. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas veiller sur nous. André, il est mort, puis on pense à lui. Puis moi, j'en ai des amis qui sont morts quand j'étais jeune. Mon ami Sylvain, puis mon ami Marie-Noël. T'as eu de la peine. J'avais de la peine, mais quand je pense à lui, j'ai des bons souvenirs. Parce qu'à un moment donné, on arrête d'avoir de la peine. Parce que la vie continue. Des fois, je trouve ça difficile. De quoi? De perdre quelqu'un? Ça me bouleverse. Fait que le confinement, ça fait... On rentre dans notre cinquième semaine de confinement. Et, ben, c'est pas toujours facile. Mais ce qu'il faut penser, c'est que Ellie, au-delà d'être juste une personne autiste, une personne, puis moi, je pense que c'est quelqu'un qui est très sensible et qui sent beaucoup les choses autour de lui. Donc, tout pour lui est exacerbé. Et il sent très bien la tension qui se passe en ce moment avec toutes les nouvelles qu'on a concernant la pandémie, puis le fait qu'on ne puisse pas sortir. Je pense que c'est quelque chose qu'il il sent autour de lui, qu'il y a une tension. Il a toujours été comme ça quand il était petit. Il a toujours senti quand il y avait de la pression. Donc, au-delà de... Je pense que son autisme, ça exacerbe ce sentiment-là. Ellie? Tu veux un câlin? Non, merci. Non, pas de câlin? Non, je veux ma bulle. J'ai pas envie ce soir. Est-ce qu'on peut te faire un bec soufflé? Ah oui, juste ça. OK. Une sandwich? Non. Pas de sandwich. Ellie, tu dis bye à la caméra? Bye bye la caméra. Il est 19h08. Bon, on a deux minutes, donc on va faire ça rapidement.
Comme vous le savez, vous avez été trouvé à être en violation de l'article J730 du Code de loi. En concordance avec la Constitution révisée, vous subirez la peine d'un an d'examen moral en confinement à votre domicile. Chaque soir, à 19h30 précise, vous serez tenu de venir ici même, devant nous, pour une confession de vos péchés et un jugement posé par nous trois quant à la moralité de votre personne. Tout est clair? Vous devriez, tout au long de cette peine, procéder à des examens de conscience réguliers, en espérant que cela vous aidera à retrouver le droit chemin. Oh, et j'allais oublier. Comme c'est votre anniversaire... Oui, c'est votre anniversaire. Nous sommes heureux de vous offrir un cadeau que vous découvrirez bientôt, en gage de notre bonne volonté. Bonsoir. Vous avez aimé notre cadeau? Oui, merci. On va commencer la procédure. Vous allez répéter après moi. Pardonnez-moi, mon père. J'ai péché. Pardonnez-moi, mon père. J'ai péché. Très bien. Alors, allez-y. Eh bien? Ben, je sais pas. C'est impossible. Nous savons pertinemment que vous avez une faute à déclarer. Vous devez vous confesser. J'ai vraiment aucune idée. Pas fait grand chose. Si vous n'avez pas fait grand chose, c'est donc que vous avez fait quelque chose. Non, je voulais dire que j'ai pas fait grand chose de ma journée. Ça sert à rien de mentir. Nous savons que vous Comment vous sauriez? Nous savons que vous avez une faute à déclarer. Vous devez l'avouer. Sinon, vous ne trouverez jamais le droit chemin. Faites votre examen de conscience. Pensez à vos actions.
père, j'ai péché. Allez-y. Ben, je crois que je me suis mieux comporté. J'ai été à mon enfer. Et votre péché? Ben, comme je vous ai dit, je me suis mieux comporté. Alors... Vous venez de déclarer que vous avez péché. Nous devons donc savoir ce que vous avez fait. Je disais ça comme ça. C'est la phrase que vous m'avez dit. T'sais. Vous ne pouvez refuser éternellement d'avouer. Vous avez quelque chose à me reprocher. C'est à vous de nous le dire. Pensez-y. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes prêt? Pardonnez-moi, mon père. J'ai péché. Et comment avez-vous péché? J'ai failli succomber à la tentation. J'ai eu des pensées malsaines. En faisant mes tâches, je me suis senti paresseux. J'ai observé une dame marcher dans la rue devant chez moi. J'ai ressenti de l'attirance envers elle. Et finalement, j'ai été tenté par la gourmandise. C'est tout? Oui, madame. Non, c'est pas tout. Vous continuez de mentir. En faisant cela, vous ne pourrez jamais atteindre l'absolution. Mais je vous cache rien, je vous jure. Si vous continuez, nous n'aurons pas le choix de prolonger votre peine. Vous ne sortirez jamais d'ici. On est parti. Quelle heure? Voici ce qui conclut la fin de la projection de tous nos projets. On en a vécu des émotions ces deux dernières années. Moi qui croyais avoir tout vu avec la recherche 1 et 2, les cours en ligne, ça c'était wild. Je sais qu'il n'y avait pas vraiment de motivation récemment, peut-être parce que la quota comptait pas vraiment. Mais je crois qu'on doit juste prendre un moment, un temps, pour se rappeler de nos cours d'éthique. Quand tout le monde a su que ça comptait pas, il y a personne qui se pointait. Ok, ça peut paraître un peu lâche que je dise ça, mais je dois dire que les élèves, quand un projet nous tient vraiment à cœur, on se donne corps et âme pour le réaliser. Je dois dire que je suis vraiment contente d'avoir étudié à Brébeuf,
C'est grâce aux étudiants puis aux professeurs. Le programme Dans l'aide et communication est une communauté où est-ce que tout le monde est proche et tout le monde se connaît. Et ce, même si on n'a jamais gagné le défi radioactif. Merci énormément. Je tiens à remercier la cohorte 2018-2020 pour tous ces beaux moments et les projets réalisés. Vous êtes tous incroyables et je vous avoue que j'ai un petit pincement au cœur de ne pas pouvoir vous prendre dans mes bras et de vous dire que vous êtes donc talentueux. D'habitude, du moins c'était quand en passé, point d'or, ça se finit au Saint-Toublon. C'est malheureusement pas le cas cette année, mais je vous jure que dès qu'on pourra se revoir, on va célébrer ça fort. Puis si vous trouvez le temps long, n'oubliez jamais que Noël, c'est demain.